Il a neigé encore. C'est fini la neige! Oh! Oh! On roule pas assez vite pour les personnes de Sudbury, apparemment. T'sais, il pleut, la neige est molle, la rue est pas belle. Dans un 98, dans un 90, c'est passé vite pour eux. On est arrivé! Première école aujourd'hui, Notre-Dame de la Merci. Si vous voyez que votre école organise un événement ou s'il y a des activités au dîner, moi c'est à travers de ces activités-là que j'ai vraiment grandi. Puis que... Donc, qui dans la salle a des parents qui, un est anglophone, l'autre est francophone? Yeah. Ouais, donc la plupart. Donc moi, je viens de cette réalité-là. Mon père, c'est un anglophone. Sa mère est anglaise, son père est australien. Puis ma mère est francophone. Mes deux parents viennent du Québec. Moi, mon enfance s'est toujours passée en français et en anglais. Ça prend de forme. Ça a été le rêve que j'ai rêvé au secondaire, puis j'aimerais, dans le fond, que ça devienne le vôtre devant votre élémentaire, devant votre parcours secondaire. Puis ça, c'est un petit emblème qu'on veut donner à votre école. Voici notre logo, on va pouvoir mettre ça dans votre école. On vient de passer une super belle avant-midi. On a fait deux ateliers. Le premier était de 7-8, puis le deuxième était 5-6. On a plein d'entrevues à vous partager. C'était quelle école? Notre-Dame de la Merci. Notre-Dame de la Merci. Puis là, on s'en va. Il reste 45 minutes pour rouler. On s'en va à Saint-Charles. Borramé. Pour un autre set d'entrevues en après-midi. Dans nos ateliers, on parle beaucoup des artistes que les jeunes pourraient aller découvrir. Puis on parle dans notre parcours de Steph Paquette, qui est un artiste d'ici, de la région. Ils nous ont vraiment motivés à parler en français, à écouter notre musique, puis nous donner vraiment une définition de c'était quoi être un artiste franco-ontarien. Là, donc, content de le voir dans la playlist de Spotify. Si on manque de pétrole, c'est la cause des gringoles. Si les gaz à l'effet de serre vont réchauffer la terre, et avec toi, je survivrai. Puis on est rendu à l'école Saint-Charles Barobé, puis on va aller faire nos ateliers en après-midi. Littéralement. Qu'est-ce qu'il a dit? Littéralement. Non, pas le rose. Non, pas le. En parlant de Steph Paquette, il vient de nous écrire. Ouais. Il dit, es-tu à l'horizon comme là, là? Puis on dit, non, demain. Non, pas demain. Malheureusement, non. En tout cas. Après avoir parlé avec Steph un peu, on a vu un match d'horaire qui est possible. Donc, ça se peut qu'ils viennent crasher notre atelier demain, là, et voir les jeunes. Là, on est en train de dîner. Notre beau dîner de cooler. Je sais pas que c'est ta fête, Noah. C'est ta fête? Non. Non? C'est ça que tu dis à l'autre bord? Mais non, y'a pas d'autre bord. Montre-moi l'autre bord. Y'a pas d'autre bord. Montre-moi l'autre bord. Regarde, y'a pas d'autre bord. Montre-moi l'autre bord. C'est ça l'autre bord. Come on. C'est ça. Ah ouais. Ils viennent du Québec, puis les deux parents sont seuls, ils ont mis en Ontario. Stop! Pas d'énergie! On leur demande de se diviser en types de leaders, puis il y en a qui ont la vision d'aider les autres, il y en a qui foncent sur un projet, il y en a qui travaillent très silencieusement puis tout seul, puis il y en a qui suivent tout le monde d'autre, puis chacun a besoin de créer une activité qu'ils feraient dans leur école. Ceux qui sont des moutons qui doivent suivre quelqu'un, c'est très drôle de les voir essayer de choisir un sujet. Le réveil, pour moi, c'est la chance d'inviter les jeunes à découvrir la culture. C'est le logo que j'ai ici, que j'ai sur mon chandail. Puis dans le fond, j'en ai une pour à chaque école que vous avez aujourd'hui. Nous autres, on a fini à l'école Saint-Charles. On a passé une super belle journée. On voulait juste leur dire un beau merci.
Donc, merci à tous les élèves, tous les professeurs et puis la direction qui nous a accueillis dans nos écoles. Merci beaucoup. Merci. Je pensais qu'elle allait finir avec « J'ai pas peur de me mouiller ». C'était Mehdi, évidemment. Mehdi Cayenne. Il pleut maintenant, fait que c'est super bon en contexte. Maintenant, c'est Céleste Lévy avec Destin. Yeah, intéressant. On veut seulement y arriver. On fait des choix sans même y penser. Ça, c'est Luc. Luc revient en même temps que nous autres. Ouais. On est arrivé! Nous sommes à la maison! Nous sommes à la maison! Pense pas dans le garage! Oh god! Il a tout été bon, mais là, là, tu as eu la chance de. Tu vas pas manger encore? C'est une dernière repas ici! On ouais. A... On veut pas partir! Check ça! Remercier Carole et Luc de nous avoir accueillis chez eux. Yeah, on a vécu deux derniers trois jours chez eux, puis on leur a remis aujourd'hui le premier médaillon du réveil, dans le fond. Vu que c'est un enseignant puis une conseillère pédagogique, ils vont pouvoir les mettre ça sur leur bureau. Puis eux, en échange, ils nous ont donné quelque chose d'autre pour notre retour. Une salsa qu'ils ont faite en famille, ouais. Puis un bac de miel qui vient du terrain des parents à Cara. Yeah. Merci, puis au plaisir de vous revoir. Mm-hmm.